Volets fermés pour se protéger de la canicule, René soupire soulagé. Je n'endormais pas, ça m'a rendu malade, dit le frère de Marcel Jacob, 82 ans. Il a suivi hier sur la petite télévision de sa cuisine la décision prise à la cour d'appel de Dijon. Ouais, la liberté de mon frère et de sa femme, moi je me sens plus léger. Hein. Surtout qu'ils sont innocents. Mais qu'est-ce qu'il y a, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Hein. C'est ça le pire. Ça va être comment pour eux de vivre séparément, vous pensez? Parce que je ne vois pas mon frère vivre seul. Ça va être dur, très dur. Les Jacobs sont libres, mais toujours mis en examen. Leur neveu Gilbert reste persuadé de leur innocence. C'est pas leur caractère. Marcel n'aurait jamais pu vivre 32 ans, ni sa femme, avec ça sur la conscience. Il faut se regarder tous les matins dans une glace. C'est pas... Vu leur caractère, vu comment les personnes qui sont, leur façon de vivre de monsieur et madame tous les jours, non, c'est pas possible. J'y croirai jamais. Je voudrais pouvoir les serrer dans mes bras, dit Gilbert. C'est impossible à cause du contrôle judiciaire très strict auquel sont soumis le grand-oncle et la grand-tante du petit Grégory. Ils sont à présent loin de Monzay, loin des Vosges. Grange sur Vologne.